vois l'épine, tac, il y a une route qui vient là. Le terrain il est là au 5. Là. Il faut venir de l'épine. Non, non, on peut arriver par les ordinaires. Jusqu'à il y a 15 jours, 3 semaines, voilà, les flics t'envoyaient là si tu voulais rentrer sur la ZAD. Tu pouvais plus aller tout droit. D'accord. T'es obligé de prendre par ici. Donc là on est sur la route des Blanchettes. Barricade, ça restait presque tel quel depuis le mois de novembre. Tu pouvais y passer, mais avec contrôle de flic, et tu pouvais pas aller vers les Planchettes, t'étais obligé de prendre vers la Romandière. Tu sais, ça fait une pas de doigt les Ardilières. T'es obligé de la prendre à droite, tu pouvais plus la prendre à gauche, ils avaient bloqué quoi. Et donc, du coup, à un moment, on faisait le tour pour remonter par l'épine, mais du coup, maintenant, c'est le contraire, c'est là que c'est le bordel. C'est pas les flics, c'est les abrutis. Hein. Pas qu'ils bloquent les routes pour que les flics reviennent pas, ça c'est une chose, mais ça a été très efficace au moment du au mois de novembre où et bon voilà qu'il y aurait les échangeurs et tout, ah, bordel, là on arrive par ici où mais bon il y aurait quand même vite fait des centres commerciaux des saloperies. Là où il y en avait beaucoup plus, ça devait être un peu plus loin. Merde, je suis con, je passe devant, c'était l'entrée du... Ah, c'était celui-là. Ah non, c'est voilà. Bah, en fait, ça, c'est anciennement les Planchettes. Et l'entrée du terrain, qui nous servira de sortie de secours et tout ça, c'était juste avant. Là. Alors... Bon, celui-là, c'est le vieux vilain. Du coup, en gros, c'est quand même ça. Sauf que du coup, on se recule un chouïa. Puisque le bas du terrain, j'avais peur qu'il soit encore en marécage en bas. Enfin, mais finalement, pas tant que ça. Il y a juste une mare par là. Et donc du coup, on laisse le plus de place possible entre le bout des barres et l'échappe. Quoi. Et puis celle-ci, le but du jeu, c'est de l'incliner un peu, qui est à plat. Et comme ça, vu que là, l'entrée va être... Enfin, j'ai mis l'entrée là, mais elle va être là, en fait. Une entrée balèze ici. Et ici, il y aura le stand d'accueil, le stand de la CIPA. Ouais. Quelques stands machin et des chiottes. Donc les chiottes, ils prendront une des scènes en pleine tête. Mais bon, c'est pas grave. On vient d'arriver sur le terrain. Là. Pourquoi il n'y a pas de monde et... Voilà. Il est où le monde? Pour se rendre compte, être sûr là que. Et là où il y a les concerts, quoi. Mm-hmm. Il y a des gars qui sont installés et qui disent ah, mais non, mais nous on veut pas que vous foutiez les pieds là, c'est chez nous. Donc ça, en fait, ça fait un peu propriétaire, réaction de propriétaire terrien. Pour se revoir. Il y a des réactions mal calibrées tout le temps, mais. Voilà. Ouais, le problème après c'est qui fait la police quoi. Bah ce qu'il y a c'est que là le but c'est pas de refaire venir les bleus sur le terrain donc on est obligé d'être d'accord les uns avec les autres. Même si sur le fond on n'est pas d'accord, on est obligé d'aller au compromis. Il n'y a pas le choix. Il y a des gens qui sont là qui se battent contre la porte mais je dirais pas par jeu, mais qui n'ont rien compris de l'emprise de la lutte quoi. Je pense à quelques zadistes. Mais la majorité ou... Oh non, du tout, non. La guerre est tranchée idéologique à la base aussi entre certaines mouvances de la ZAD et puis la CIPA par le fait que la CIPA c'est un mouvement citoyenniste et beaucoup de la ZAD se réclament justement anti-citoyennisme. Mais la guerre, ça part. Ouais, mais ça reste. Non, mais au sein du mouvement en soi. Oui, après la guerre principale. Voilà, ouais. C'est quoi, on milite. On milite pour quand même arrêter ce projet, mais pour beaucoup de gens ça va au-delà de ça. Et du coup, c'est à quel plan on met l'arrêt de ce projet par rapport à autre chose, par rapport à d'autres idéologies. C'est là que c'est compliqué à gérer entre tout le monde, parce que du coup ça crée... on peut pas être sur tous les axes. Les gens qui sont ici, je dis pas qu'ils étaient à bout de souffle, ils sont fatigués, ça fait depuis 63 vraiment le premier projet, c'est vraiment épuisant pour les gens qui ont vécu ça. Au bout d'un moment, ils ont envie de baisser les bras. Il y a un relais qui a été pris, et maintenant c'est reparti sur un bon pied. Alors après, chacun lutte avec les vieux paysans qui ont des douleurs et tout, vont pas aller courir derrière les flics au milieu des bois, ça se comprend, mais ils agissent autrement. Bonjour. Alors nous, la Moumoute, Notre-Dame-des-Landes et la Moumoute, on n'est pas venu, voilà, c'est pas facile, enfin, il se passe des choses, les gens ne savent pas trop comment l'accepter, comment voir cet aéroport, mais cet aéroport, il sera là au bout d'un moment, et c'est bien que les gens aient envie d'atterrir, aient envie de se construire par rapport à tout ça, parce que je trouve que c'est vraiment un bon moment qu'on passe tous ensemble. Jean-Marc,
moi, toi, nous, on passe ce petit moment qui est vraiment, qui est un petit moment qu'on passe pas souvent et qui est vraiment... Là, il y a du matos quand même qui va être là pendant 4 jours. Ouais. Donc je pense que ça peut être sympa qu'il y ait une sorte de vigie qui se tient là pendant 4 jours, un peu mélanger tout le monde. Nous, au niveau des paysans, on s'est mobilisé quelques-uns pour passer ces nuits-là. Est-ce qu'il y a moyen qu'il y ait des gens de la ZERD, il y a des gens aussi des comités locaux qui vont être là. Et ça peut être sympa de passer une soirée ici à 30h40. Voilà. Excuse-moi, tu filmes, est-ce que les gens sont au courant? Ah non, mais je peux me présenter. Bah tu fais, mais... Qu'est-ce qu'on a pas fait? On a parlé avec toi. Et voilà le résultat. Bon, au moins c'est meuble. Je suis malin, dès que ça filme, c'est moi qui bosse. T'as vu tout qu'est-ce que j'ai fait? Bon, mais t'as trouvé un nouveau métier, quoi. On te fout. À peine. À peine. À peine une demi-heure. Le premier combat que j'ai mené ici, il date de 35 ans. Voilà. Et bon, ça s'est tassé. Après, c'était le temps du général de Gaulle, où il y a eu apparemment un ou deux avions qui se sont posés après la guerre, ou juste après. Et bah, c'était tellement humide qu'ils se sont posés, mais comme il faut, ils ne pouvaient plus repartir. Voilà. Et après, ça s'est bien passé, parce que bon, la ZAD a été achetée. Il y a un truc qui est assez marrant, qu'il faut que je te dise quand même, c'est que ce site a été protégé, malheureusement, je dirais bien malheureusement, par la ZAD. Quand on s'est investi dans cette lutte, c'était pour se dire, la ZAD, elle n'a pas lieu d'être. Donc en fait, si tu veux, on a voulu installer des paysans sur ces terrains. Il y avait des paysans, mais sans terre. C'était du temps des paysans travailleurs. Hein, on peut considérer que c'est l'extrême gauche de la paysannerie. Voilà, donc en fait, la lutte, elle a démarré comme ça, quoi. Et ça a continué, mais il y a eu un temps mort d'énormément d'années. On a senti le vent souffler un peu quand la gauche est arrivée au pouvoir. On a voté pour eux, voilà, et ils nous ont remis l'aéroport sur place. Un dossier de Jean-Marc Ayrault, voilà, Premier ministre. Bon, ça, c'est un peu dommage. Jean-Marc, ta femme... Je lui ferais bien un petit câlin et je sais bien qu'elle est pas farouche sur tous ces petits câlins et franchement je suis content de qu'on se câline tous les deux. Et puis Jean-Marc, c'est pas parce que ta femme est heureuse avec nous qu'elle sera malheureuse avec toi. Enfin franchement, nous rendrons ta famille toujours heureuse et c'est pas grave si t'es tout seul sans ta famille, sans tout ça. Jean-Marc, on n'est pas, on est contre ton aéroport, mais ta famille, on a envie qu'elle soit heureuse. Mais bon, bah, ta famille est heureuse avec nous, et c'est vrai que tous les bambins s'amusent, et tout le monde passe un bon moment. Vous savez pas pourquoi vous êtes là? Si. Alors, si, parce pour dire qu'on est contre l'aéroport. Et toi, tu sais pourquoi t'es contre l'aéroport? Toi, t'es contre? Parce que ça sert à rien de le déplacer, on a déjà un autre. Mais non, c'est parce qu'il y a des champs. Et il y a des champs, faut pas... On va pas tout recouvrir de béton, c'est bah voilà. Et il y a des tritons et tout. Donc voilà, c'est ça. Et surtout qu'il y a les vaches. C'est-à-dire que c'est des timbrés qui veulent faire ça, c'est des... Ils sont modés de la tête, c'est des modés de la tête. C'est pas parce que vos parents vous ont dit ça, vous le pensez aussi? Bah oui, bah, au début il me l'a dit, puis... En fait, je voyais pas du tout ça comme ça, puis après, quand j'ai vu, je suis là, bah ouais, vraiment, ça sert à rien, c'est joli ici. Vous avez déjà pris l'avion, vous? Un renard? Oui, pour aller chez papy et mamie. Chez papy et mamie. Et vous préférez après, prendre l'avion ou aller vous balader dans les champs? On n'a jamais pris l'avion. Se balader dans les champs. Oui, mais prendre l'avion aussi. Bon, après... Bah, prendre l'avion avec Vinci, j'ai pas très envie, hein. Bah prendre l'avion, mais c'est juste pour se déplacer. C'est ce que vous disiez, la vérité sort de la bouche des enfants. Ils se font leur propre opinion. Vous savez, l'enfant est son propre éducant. Il a son caractère, son tempérament, et c'est l'ensemble des influences qui font qu'il va grandir avec ça. Il en tirera ce qu'il en tirera. Ça ne veut pas dire qu'à 15 ans, ils n'auront pas aussi leur déviance et ils n'auront pas aussi envie de prendre le contre-pied. Mais je pense que quand on essaye de partager des fondamentaux qui nous semblent des valeurs importantes, autour du partage, de la générosité, du respect de la nature, et de la nature humaine en particulier... Ça aide certainement à avancer quelque part. Hein, Maya? Oui. Et à courir très vite même.
Ouais. On est du Limousin. Voilà, ça fait 3 ans et demi qu'on est sur la lutte avec les camarades de Notre-Dame. On a connu un petit peu tous les épisodes, on s'est connu sur la tracto-vélo. Et on est surtout venu ici, on pense que le projet dépasse largement, la lutte dépasse largement le seul projet contre l'aéroport, puisque nous on se bat également pour une LGV. C'est plutôt par rapport à un choix de société où il y a un abus du transport, qu'il soit aérien ou autre. Nous on se bat contre une LGV qui va nous bousiller des terres, l'accaparement des terres nourricières, agricoles, le bétonnage des villes et puis des modes de vie qui ne nous conviennent pas forcément, où on voudrait nous contingenter dans des appartements en béton sans verdure et sans rien et qui ne nous conviennent pas forcément. J'avais la fille d'Ouest France tout à l'heure et elle me disait: est-ce que vous êtes un artiste engagé? Je lui disais oui, j'ai des engagements, je crois dans ce que je peux raconter dans mes spectacles, mais maintenant il y a un aspect profondément ludique. Et puis bon, à la maison on a des toilettes sèches, les enfants ont été élevés avec des couches lavables, on a des panneaux photovoltaïques. Comment on va à l'école? Et c'est bien, on va à l'école en vélo. Ouais, en vélo, ou alors on va à pied. Aussi, on va à pied. Ou s'il pleut, ben on va en voiture électrique. On a fait 9000 km, ça nous a coûté 80 euros. Alors les gens, après, ils vont dire, oui, mais vous utilisez du nucléaire? Ben non, parce qu'on est à Planète Oui, en fait, qui est une coopérative énergétique. Donc voilà, après, bon an, mal an, on essaye de faire à notre humble niveau, quoi. Quand on est venu, bah, il y avait le sabot et tout ça, bah, il y avait beaucoup plus de projets concrets. Et... Enfin, les gens, ils étaient autonomes, ils avaient besoin de personnes. Que là, c'est plus... Ouais, ils savent pas trop comment... Enfin, là, en tout cas, les jeunes que j'ai vus hier, ils demandaient concrètement, bah, on n'arrive pas à bouffer et tout ça. Ils nous demandaient des pièces pour bouffer. Et... Enfin, ça serait pas vu avant, en fait. Mais du coup, ça paraît moins viable. L'État est une milice, ils veulent tous nous appliquer dans le vice. G, hey, don't stop me, I need concentration. It's been a long time, we are searching solution. Are my people running away from the redemption? This no place for mental illusion. Plays a regime for musical addiction. Make me forget the wicked man decision. Boo! Oh yeah! Ça vient. Thank you. Ça vient. Vous allez où? Excusez-moi, vous allez où? On sait pas, on suit. Vous allez où? On y va. On va au camping et faire la fête. Eh bien, bonjour et belle journée. Hein. Comment tu dis? Militant Lord, L-O-F-D et Z. Ah, à la Z. Vous allez où? On va au camping. Concert. On lâche rien. On suit. Droit devant. Par là. Bonjour, vous allez où? Bonjour. On retourne au camping. Et après, on va à la châtaigne. Vous êtes arrivé en triomphe avec votre roulotte, avec du son à fond, des morovages, et puis plein d'autres trucs après, un peu rock. L'idée, c'était quoi, là, de vous poser sur le carrefour, là où il y a plein de monde? Pourquoi, en fait? Bah, c'est un peu symbolique, quoi. Ouais, il est symbolique, ce carrefour. Il est symbolique, ce carrefour-là. Ça fait 6 mois qu'il est tenu par les flics, ouais, voilà. 24-24, que les gens qui habitent là, ils passent à travers, ils sont obligés de passer à travers champs pour aller de l'autre côté, quoi. Et, là, avoir récupéré ce carrefour, c'était symbolique, quoi. On peut parler de Larzac, on peut parler de Plogoff. Au niveau de la motivation, si tu veux, des gens, on peut parler du carnet, on peut parler du pèlerin. À chaque fois qu'on a lutté, de façon pacifiste, même si, quelquefois, si tu veux...
on a été confronté au CRS et puis bah, ils savent très bien qu'on sera en face, mais on sera non violent. On a gagné. Ce sont des luttes qu'on a gagnées parce qu'ils savaient, malgré tout, de toute façon, ça ne sert à rien. La preuve, c'est que ça ne s'est jamais fait. Si les flics ils foutent une volée à trois paysans, bah ça peut être tous les paysans de la France qui se. C'est une autre solidarité, mais c'est une solidarité qui est énorme, les paysans. Qui est énorme avec un réseau national. Donc, c'est ça, on a des collectifs dans toute la France. Donc ouais. C'est facile de foutre le bordel partout. Ça s'est déjà fait. Et voilà, faut... S'ils reviennent, ça se refera. Ouais, les paysans, ça leur fait peur, c'est sûr. Voir les jeunes, c'est énorme. C'est très très beau. Et puis de voir des gens qui ont lutté toute leur vie contre l'injustice ou contre des projets comme ça fous, ils sont encore là. Ça, c'est beau. Ça me fait très plaisir. Voilà. En fait, aujourd'hui, je vois des jeunes, puis je vois des gens qui ont 70, 80 ans et qui sont là contre ce projet. Et ça fait chaud au cœur. Ça fait 35, 40 ans qu'on fait du militantisme et du syndicalisme. On a connu des grands mouvements comme 95, la lutte sur les retraites et tout. Il n'y avait pas cet échange humain d'idées, pas sur un seul problème politique ou économique ou écologiste. Il y a tout ce maillage qui vient, qui est spontané. Ça ne se décrète pas, ça. On le sent dans le regard des gens, on ne sent pas d'animosité. L'hiver, en préparant la soupe pour les jeunes qui étaient au milieu des bois, ce qu'ils ont fait, c'est quand même extraordinaire. Ça ne se décrète pas, ça. Ça se vit. Et je crois que n'importe quel gouvernement aura du mal à lutter contre ça. Moi, je vis à Bellevue avec les paysans qui squattent la ferme, je suis un salarié agricole au chômage, donc j'ai du temps. Et puis après j'ai quelques compétences sur les conduites de tracteurs, ce qui n'était pas trop mal cet hiver. Et après comme disait Quentin, enfin c'est des manières de voir la lutte différente, mais qui au final se rejoignent, quoi. On essaie toujours de travailler les uns avec les autres, même si c'est compliqué. Là, l'opération Semtazad, ça a été des réunions et des réunions pendant tout l'hiver, quoi. Ouais, ça fait appel aux paysans pour le matériel, pour le transport de fumier, de paille, et c'est vraiment un échange, quoi. La ferme de Levue, on l'a récupérée il y a 107 hectares. C'est une grosse ferme. Moi, j'ai connu les fermes de 25-30 hectares, pas plus. Et là, les gens vivaient, tu vois. C'était avant le mondialisme, le bordel, tu vois, on exporte, on importe, enfin bref. Et c'était. Les villages étaient beaux. Il y avait, moi, dans mon village, il y avait 12 paysans. Je suis tout seul. Il y a un à deux paysans, si tu veux, par village. Et après, bah, les gros vont faire entre eux. Parce qu'il n'y a plus que des gros. Nous, les petits, on n'a même plus de combat à mener. C'est les gros qui vont les mener contre les gros. L'origine de l'évolution malheureuse du peuple paysan, ça a été les primes. Voilà. Et les primes n'ont jamais arrêté, les primes PAC. Alors, tu as eu les primes maïs, tu as les primes à l'herbe, les primes à vache allaitante, tu as eu la prime à... Il y a tout. Et si tu veux, il y a des gens qui ont décidé que le monde paysan, en fait, ils pouvaient le... Je ne vais pas dire l'encercler, mais pas loin. Parce que c'est... Ils maîtrisaient, si tu veux... leur mode de vie en fonction des primes qu'ils touchaient. Concrètement, sur la ferme de Bellevue, il y a 3 hectares. C'est une équipe de la ZAD qui s'est motivée. C'est des gens qui sont véganes et qui voulaient faire des mélanges sur une culture de protagineux et de céréales. Donc du coup, ils sont organisés avec les paysans. Ça a été un dimanche après-midi de semis. Je pense que tout le monde s'en rappellera. Le semoir n'était pas adapté, mais bon. Et puis aujourd'hui, la culture, elle pousse. Donc ils se retrouvent entre collectif à gérer le truc et puis paysans. C'est deux approches complètement différentes du truc, mais qui sont finalement qui apprennent l'une de l'autre, quoi. Là, je sais qu'il y a apparemment il y a des gens de la ZAD qui sont... Les paysans, ils s'engagent pas mal, là, vous avez du boulot, donc ils sont prêts à aller filer des coups de main sur les fermes des gens, à aller découvrir un peu... les paysans qui s'engagent sur la lutte ici, quoi, c'est des gens qui ont des réflexions par rapport à l'agriculture productiviste depuis longtemps et que c'est quelque chose qui leur convient pas, quoi. Donc des fois il y a des incompréhensions, donc ça discute, ça, et puis au fur et à mesure des choses, ouais, il y a ces 1600 hectares là qui sont là, qui commencent à être exploités. Aujourd'hui, nous on y vit, quoi. Bah ouais, on va pas laisser une ferme sans rien pour la laisser se détruire. Et voilà, faut faire vivre le lieu, faut,
faut que ça profite à tout le monde et ça va faire vivre plein de personnes. C'est génial, quoi. Ouais, ouais. Simplement. Nous, on est venus pour poser cette cabane qu'on avait préparée et du coup, c'était ici. Donc, ça a été convenu qu'on squatte là et qu'on fasse notre vie là. On n'a pas voulu s'imposer. Donc, on a fait notre truc aussi de notre côté, quoi. Après, ici, c'est ouvert. Hein, tous les jours, il y a 10-20 personnes qui viennent bosser, bouffer, dormir, boire avec nous. Donc, c'est ouvert. On a créé un comité à Reims. À Reims. On l'a créé et on l'a quitté aussitôt qu'on l'a créé parce qu'on a été infiltré par le Front de Gauche. Et moi, personnellement, j'ai rien contre le Front de Gauche, bien au contraire, peut-être même. Mais bon, c'est pas le lieu. Voilà. Donc, on leur a laissé le comité. Et puis, donc, on a su que le comité parisien là, avait squatté un hangar de la SNCF et avait construit, préconstruit cette cabane dans l'atelier. Ils l'ont ramené sur des camions et ils l'ont reconstruit. Donc, j'ai dit, bon, bah, est-ce qu'on peut participer au chantier? Bon, on est venu et puis... Ça fait 3 jours qu'on bosse, quoi. Enfin, qu'on bosse parmi tant d'autres, quoi. Mais bon, c'est impressionnant, quoi. Voilà une jeune fille qu'on a rencontrée à la ZAD du Morvan. Ouais. Parce que, bon, bah, il se passe un peu la même chose. Quoi. Et eux, c'est ce qu'ils veulent faire, en fait. Raser tout le Morvan et remettre du Douglas. Pas tout le Morvan, attends. Ils exagèrent, pas tout. Ils ne veulent pas raser tout le Morvan, il y a du boulot, quand même. Mais ouais, mais si, c'est ça, quand même. Hein. Il faut. Enfin, c'est pas un petit projet. Sachant que. Ils veulent aussi récupérer du bois, de l'Ardèche et du Jura, donc 300 km aux alentours. Alors là où c'est complètement dingue ce projet, c'est que ils veulent couper une partie des arbres du Morvan pour fabriquer des pelés. Les pelés, ils les mettent sur des camions, ils les emmènent en Belgique et dans une centrale, ils fabriquent de l'électricité avec les pelés. Alors je te raconte pas que le bilan de tout ça, c'est quoi. Mais ça tient uniquement parce qu'ils ont des subventions européennes. Et mais ça tient pas encore, parce qu'ils les ont pas. Non, ils les ont pas, ils espèrent les avoir. Des hypothétiques. Et que les acteurs locaux, les élus, se mettent carrément à plat ventre devant eux, parce qu'ils créeraient soi-disant 100 ou 200 emplois. Mais ces 200 emplois coûteraient une fortune à la collectivité. Sachant qu'en plus, les emplois, ce ne seraient pas des gens du Morvan qui auraient les emplois. Ce serait une rotation. Mais vous croyez que le jour où le projet, là, il est vraiment enterré, vous croyez que les habitants illégaux, on va les garder ou quoi? Eh ben, ça, c'est là qu'il va falloir avoir une intelligence collective. Ouais. C'est là que c'est important justement de se rassembler maintenant sur ce qui va se passer plus tard. En fait, nous on entend beaucoup parler d'histoire à la ZAD, de tensions entre différentes façons de voir les choses, différents types de gens et tout. Et du coup, nous on est arrivé là pour passer 10 jours. Je pense qu'on est plutôt des satellites, on n'est pas vraiment dans le fonctionnement global du truc, quoi. On s'interroge beaucoup sur le devenir de Notre-Dame parce que on est convaincu que le projet ne se fera pas, qu'il n'y aura pas l'aéroport. Ouais. Mais ce qu'on voudrait justement, c'est mettre de l'énergie après pour que ce lieu reste un champ d'expérimentation. Qui... Ouais, moi la question que je me pose, c'est après, je sais pas. Oui, hein. Mais tout le monde. C'est toujours pareil, hein. C'est ok, on a démarré, on a. Mais après. On en arrive presque à dire une fois. S'ils disent nous à l'aéroport. Hein? C'est vrai, hein? Et après, et qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'il y a des gens qui ont des expériences de permaculture au Gourbis, il y a un atelier. Un boulanger ostéopathe. Ouais, il y a une boulangerie ostéopathe. Et puis au-dessus, il y a une mezzanine et il y a le Thomas. C'est pour ça aussi qu'on voulait faire cette roulotte-là. C'était pour essayer de rapprocher un peu toutes ces composantes. Même si on n'est pas d'accord, on est capable de s'entendre quand même. On est capable de prendre un moment, d'apprendre à se connaître. Et, voilà, de marcher dans le même sens. Du coup, durant la construction, voilà, on a impliqué tout le monde, en gros. Il y a moyen que ce soit difficile et que ce soit tendu. La gestion de toute la ZAD, une fois que le projet est abandonné, si c'est le cas. Mais je sais pas, j'espère que ça se passera bien. Il y a aussi plein eu de belles choses ici à se passer. Il y a plein de gens qui arrivent à concilier pas mal, je pense, à rapprocher, à rassembler. Donc j'espère que ce sera, comme je disais tout à l'heure, on m'a posé la même question. Pas le côté obscur de la force qui va l'emporter, quoi. Il y a les deux énergies qui peuvent partir dans les deux sens. J'ai pas de pronostic, c'est 50-50. Mais vous vous rendez compte, c'est un peu un modèle pour... Mais tant mieux, tant mieux. Et bien si gens, ça peut motiver plein de gens. Ouais, tant mieux. Après, le fait... On est quand même trop fort. Ouais, c'est ça. Ça oui, tac. Grâce à nous. Mais en fait, non. Bah non, après bah non. L'attaque, mais ouais, mais enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, c'est des choses, des fois, j'ai du mal à prendre cette portée-là, parce qu'on vit là... Voilà, au quotidien, après, c'est... Ouais. Au quotidien, on a... Ça se passe comme ça. Ouais.
On est passé au mois d'octobre de 20 et quelques comités de soutien en France à plus de 220 aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire, on n'a jamais vu ça ailleurs. C'est ça qui est énorme, parce qu'il y a, des gens de tous les pays. On connaît plein de monde maintenant, c'est énorme. Vous allez être saturé à un moment donné. Il y a de la place, il y a encore de la place. Mais s'il y a que ça, on poussera Nantes et puis ça se passera bien. Ouais. Indépendamment des arguments écologiques, c'est un non-sens économique. Et c'est là où je ne comprends pas que les politiques, ils fonctionnent. Bon, il y en a quelques-uns qui ont compris le truc. Mais s'ils veulent être élus, bien évidemment. Ouais, il y a personne qui veut le truc et après. Je t'aime Jean-Marc et je suis content de que tout le monde soit venu te faire un gros bisou parce que vraiment ton aéroport, on sait pas où il faut que tu te le mettes, mais bon va falloir que tu te le mettes quelque part quand même parce que on sait pas quoi en faire. Non c'est vrai.